Je serai pas très très long. Je tiens à vous informer que j'ai ouvert une page Tipeee. Alors une page Tipeee, c'est pas le Tipeee des Indiens les mecs, rien à voir. Une page Tipeee, entre guillemets, c'est un financement, une plateforme de financement par les fans. Donc vous, pour financer une chaîne YouTube, la mienne. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de d'ouvrir ça. Sachez une chose, c'est que je n'oblige absolument personne à faire de dons. Ça, je préfère vous le dire direct. Cependant, pour toutes les personnes qui vont donc faire un don si vous le souhaitez, je vous en remercie vraiment. Ça soutient la chaîne et puis ça fait tout simplement très plaisir. Vous aurez tout qui va être écrit à l'écran, également aussi en description. Logique. Bah ouais. Donc si vous souhaitez faire un espèce de petit don, eh ben les mecs, vraiment, merci du fond du cœur. Mais je vous répète que, attention, ce n'est pas obligatoire, loin de là. Ne vous mettez pas dans le mal financièrement pour moi. Je n'en vaux pas la peine, mais si vous avez envie et que vous avez moyen de le faire, c'est un geste qui serait vraiment très apprécié et je vous en remercie d'avance. Bref, on va donc passer cette route du champion, c'est le but de la vidéo. Vous allez la kiffer et je vous dis à tout de suite. Salut à tous les plucks. Avant que la vidéo elle commence, je sais que c'est pas quelque chose qu'on demande normalement, mais pensez au gros like et surtout celles et ceux, parce qu'il y en a beaucoup, croyez-moi, qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Vous regardez les vidéos, bande de fumier, sans être abonné. T'as trop la rage. Ça coûte rien un abonnement, c'est gratos. Bon, du coup, on est Diamant 2. Dans le dernier épisode, ça a été une catastrophe. Ça a été l'un des pires épisodes de la route du champion. Mais écoutez, aujourd'hui, on va tout donner. On est avec une nouvelle escouade de petits plouks. Et puis, je compte vraiment sur eux pour qu'on on atteigne ensemble les sommets et qu'on aille déjà récupérer le diamant 1. Croyez-moi que ça serait une très bonne chose. Et surtout, ne pas perdre le diamant 2. Ça sera aussi très très bien. Allez, bonne vidéo, les mecs. C'est parti. Le map pool en vrai de vrai, il est pas mal. Honnêtement, il est pas mal. T'as frontière qui est bien, littoral, chalet, canal. Bon, déjà, c'est sûr qu'on joue pas villa, c'est une très bonne chose. Et si on peut faire frontière ou chalet, anal. C'est bien anal aussi. En espérant ne pas se la prendre dans le cul. Faut que j'arrête, vraiment. Ah, putain, j'ai 24 ans. Enfin, pas encore 24 ans, bientôt. Bon, la première enquête, les gars, vous la connaissez. Ah, on la connaît tous. Ok, on est bien installé. Normalement, on n'est pas trop mal. Et j'ai envie de vous dire un truc, c'est qu'on a été la première fois champion avec Buck. Ça fait quand même longtemps. Est-ce que c'est pas le moment de le reprendre? Je pense que si. Par contre, en face, il y a le fou furieux. Il y a la frappe 9-3. Je suis pas en confiance, les gars. C'est pas comme s'il y a le fou en face. C'est le fou furieux. Là, ouais, dans la dernière session, ça a été une catastrophe. Hein. Des grands 3v5 tout le temps, hein, les abonnés qui bug, ça a été une catastrophe. Plus droit à l'erreur. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ça se passera mieux. Logiquement, aujourd'hui est un autre jour. Enfin, c'est pas comme s'il y avait Kaïd ou alors Bandé. T'as Kaïd et Bandé. Pourquoi? Ah, regarde, les deux font la paire, comme une testicoule. Testicouille, pardon. Ah, c'est vrai, les gars, la première fois qu'on a été champion, c'est avec Buck. Et autant vous dire que la première fois, elle marque vraiment. On s'en souvient. Je me souviens, tonton Buck m'avait aidé dans cette mission, et puis après, je l'ai délaissé pour H. Est-ce que les hommes trompent? Oui, j'ai trompé Buck pour H. Ça me choque. On peut le dire, je suis une sombre merde. Bon, alors, déjà, on va essayer nous de s'insérer. On sait qu'il y a une Mira, les gars, en face. Donc, potentiellement, on va pouvoir... Oh, misère, c'est quoi, les gars, ça? Oh, mais c'est pas possible! La vidéo, elle commence pas bien! Après, vous me direz qu'on est en attaque, donc en soi, d'accord, il y a un mec là, au ping. Ah, c'est un très joli clutch. Qui n'aboutira pas. Vraiment inquiétant. Je pense que cette saison, cette funeste saison, je ne serai pas champion, les gars. Malheureusement, il y a trop de choses qui ne vont pas. Ça me fait mal au cœur. Mon petit cœur qui saigne. En plus, tu vois, Ubisoft, depuis qu'ils ont fait leur mage, normalement, une mise à jour est censée améliorer le jeu, dans la logique des choses. Maintenant, je suis tout le temps en Europe du Nord. Alors qu'avant, j'étais en centrale, j'étais bien, j'étais content. Et là, les gars, bim! On vient me casser du sucre sur le dos. Europe du Nord, les games qui sont compliqués, j'ai l'impression qu'on m'a acheté un sort, hein. Vraiment. Enfin bon, me direz-vous, c'est le but du jeu, c'est R6. Faut l'aimer avec ses qualités et ses défauts. Enfin, surtout ses défauts. Faites toujours attention à ces fenêtres-là, ils sortent tout le... Enfin, ils sortent pas, mais ils viennent te dégommer en mettant des petits coups de cut à l'image d'ici, là. Et comme je suis en Europe du Nord, les gars, ma sensi n'est pas la même. Atroce! Autant vous dire que ce n'est pas très très agréable. Et je vous fais confiance, les gars, ils vont sûrement garder le top, ça me paraît pas impossible, effectivement. Oui, oui, oui. Et voilà, ça c'est un bon petit travers éoli. Encore un? Vous êtes homosexuel, les gars? Font quoi tous les deux là-dedans là? J'espère que la flash elle flash, hein. La flash elle flash pas. C'est une singerie. J'ai jamais vu des flashs aussi nuls sur un jeu vidéo. Regarde, regarde, regarde. On dirait que les flashs elles flash pas. Je comprends, hop. J'ai fait la moins deux, les gars. Oh non.
Oh non. Va falloir que je fasse des full teams. Dans votre intérêt. Mais je pourrais pas faire ça tout le temps, les mecs. Je sais plus quoi faire pour gagner, je sais plus. Tiens bon, mon frérot, t'as Doka et Bi. Tiens bon, il te reste encore un coup de téléphone ou pas? Ou alors ton forfait est terminé, j'en sais trop rien. T'as du lésion, fais bien gaffe, il est au sous-marin, le frérot. Il est au shotgun, contact shotgun. Fumier de merde. Mais du coup, moi, j'ai pas l'info sur... ça a pas cassé la cam. J'ai pas l'info sur le lésion. Attention, mon gars, on casse le stuff, il reste 30 secondes, faut qu'on se dépêche. C'est le lésion, j'ai... Je sais pas du tout, il est où, en fait. Je pense, moi, qu'il est... Ouais, il est au top, lésion. Viens, mon frérot, viens. Ah, il a pris un gu, le fumier. Vas-y, pour ton bac, viens. Viens planter ma couille des îles. Viens. L'autre, il était au top. Là, c'est à moi de garder ta petite cover, frérot. On y va, c'est parti, go. C'est bien, Madoka et Bi, c'est très très bien. Là, on garde une bonne ligne collée serrée. Au tcha-tcha. Ouais, Doka. Oh, je me prends. Ça, c'est une très bonne Doka et Bi. Bel headshot. Belle bite. On s'est fait une frayeur, les gars. On s'est fait une frayeur. Mais regardez bien les pings, hein. Moi, je suis l'espèce de barre bleue, là, tout en haut. J'ai 68. C'est quoi comme département le 68? J'en sais rien. Et tu observes le ping de tout le monde? Ah non, quoique, il y a Chéri FM, il a 71. J'ai rien dit, je pensais avoir le pire, mais non. Depuis qu'ils ont fait la mise à jour de mi-saison, les pings, ils sont encore plus pourris qu'avant. Ubisoft, la seule entreprise du monde où ils font une mise à jour, et ça devient encore pire. Surpris. En tout cas, on a mis une attaque, c'est une bonne chose, mais par contre, les gars, en face, ils sont vraiment, vraiment pas mauvais. Ils ont mis du Cap Canus sauvage, hein. Faites vraiment attention, ils vont en mettre de partout. Pourquoi tu tombes? Ah, le Cap Canus. Faites attention à lui, ils vont refaire leur même défense chelou là. Pas de soucis, j'arrive vous pomper. Sans mauvais jeu de mots, bande de pervers. Ok, il a pris Castle, le frérot. Tu vois, là où c'est super bien, c'est que Buck, c'est un opener, tu fais des kills et tout, et t'as le Gone 6. C'est vraiment trop trop fort le Gone 6. Mais profitez-en, je pense qu'un jour ils vont lui retirer à Buck, ça me paraîtrait pas impossible. Tu sais quoi, là, tu lui mets une pression directe, bam bam. Allez, on y va. Son stuff, tu le pètes, là t'es tranquille parce que tu sais qu'il est derrière son Castle. Regarde, il est en train de se faire son petit setup logiquement. Par contre, c'est les Capcans. Oula, ouais, ils font des strats bizarres. Hein. Là, il est avec son shotgun. Donc là, regarde, t'anticipe. Bam, logiquement, tu le flashes, mais est-ce que tu fais confiance à tes flashs? Eh ben, je sais pas. Parce que les flashs ne flashent pas. Les flashs ne flashent pas sur R6! Pareil! Non, mais c'est trop grave, je vous jure, les flashs, elles ne flashent pas. C'est comme si tu mets une capote et la capote ne marche pas. Allez, Madoka et Bi, c'est l'heure de ton clutch héroïque, la France te regarde. Dommage. En vrai, le pauvre avec la SMG, c'est dur, hein. Mais ils sont pas mauvais en face, ils ont des bons shoots, hein. Bah, je pense qu'on va prendre du lésion, les gars. Oula, pas le pompe. Non, non, c'est bon. La SMG, ça ira très bien. Après, en soi, c'est pas si catastrophique, on a mis une attaque. Oula, je mue, tel le serpent. On a mis l'attaque, c'est bien. Mais est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Ça, tu vois, ça leur met une bonne pression, ça leur fait peur si jamais ils rentrent. C'est des trucs tout bêtes, les mecs, hein, je vous jure, mais ça peut la diff. Perso, moi, je sais que si en face on me fait ça, je sais que ça va me faire chier. Attention de pas se manger un push agressif des ténèbres. On va condamner la zone. Comme dirait Jules, la zone est minée. Oh putain, j'ai pas vu que c'était ouvert. Viens, mon petit Subaru. Viens pour aider bandits. Là. Ah, bah, c'est un peu tard. Pourquoi? Ouais, y'a Twitch, ouais. Oh misère, c'est bon, on a pas eu le machin là. Il faut faire gaffe maintenant, les gars. Oh, je l'ai vu au fond. Ah ouais, les gars. Il faut faire gaffe aux poches agressifs, au bac. Tombe trop vite, les gars. Et t'inquiète pas que les flashs, eux, ça marche bien. Ne t'inquiète pas, ils ont un truc en plus que nous on n'a pas, les gars. Aïe aïe aïe. Cette route du champion, putain. Je vais tenter de faire un spawn kill. En vrai de vrai, faut tenter de faire un truc là. En plus, ils ont spawn là-bas, je crois. Par contre, s'ils viennent du côté à gauche. Je suis un homme mort. Je crois que effectivement c'est le cas. Ah, tu sais quoi, je vais pas tenter. Ah, voilà, ça c'est Tazami. Il est superbe. Le T1 se fait percer, les mecs. Bon, Tsubarao nous offre un peu de sursis, c'est vrai. C'est une bonne chose. Regarde les flashs. Regarde le temps, moi, qu'elle dure. Comme ça dure longtemps. Mais c'est... Comment elle est site? Comment elle est site? C'est pas normal qu'il rentre site comme ça. Je comprends rien, les gars. Je comprends rien. Mais c'est pas possible! On vient de se faire détruire. Détruire le cul. J'ai pas compris comment elle est arrivée direct dans le bac. Waouh. Ah ouais, là ça commence à être critique, les gars. N'arrive plus à gagner une game. Quand on prend l'ancienne route du champion et le début de celle-là, les gars, c'est la route du champignon, là. Mais je sais pas pourquoi, ça se voyait à leur pseudo que c'était des malades mentaux. Café, chalet. En fait, les gars, je pense qu'il faut juste qu'on arrive à reprendre la confiance. Et je vous jure, dans la vie de tous les jours, que ce soit ton métier, ta passion, ce que tu veux, t'es footballeur, un buteur au foot qui n'est pas en confiance, ses performances, forcément, vont être réduites. Et je pense que c'est notre cas. Je pense très sincèrement qu'on n'est pas... On n'est pas en confiance. Ah, ça, c'est un bon plouc. C'est un très bon plouc. Ah, mais il m'a envoyé un message, JPP. Et Younes, 6-9. Hey, 6-9, comment ça, 6-9? On est pour la SS, nous, les gars. C'est les abonnés en face. Et vous savez que quand on tombe contre une squad d'abonnés, vous savez ce que ça signifie. Au revoir. C'est qu'en face, ils vont vouloir nous péter, notre cul, pour rester un peu plus poli. Mais ça, ce petit Mira, là, il est incroyable. C'est bien, les gars. C'est comme ça, hein, qu'on va gagner, en faisant des petites strats. C'est bien, en vrai. Le petit Mira, le Mira des calmes. Voilà, ça, c'est ça qu'on veut, les open kills. Prenez la confiance, les gars. En vrai, je vous jure, je vous fais confiance. Là, par contre, regardez les mains de Thorn, aussi blanches que mon cul. Faut prendre le soleil, hein, ma petite. Ok, c'est pas grave, on a perdu un frérot en bas. Tranquille. Il a fait l'open kill, on peut pas lui en vouloir. Je crois qu'il y a un mec en bas, ouais. Il arrive au niveau de l'esca. Oh, la greu.
L'agre ténébreuse. Oh. Mais en vrai, Lyon avec des grenades et sa compétence, c'est pas mal, hein. Pour faire déloger quelqu'un. Pas forcément pour le tuer, mais le déloger. Ok, et le dernier c'est quoi? C'est Nock. Les frérots, on met un petit ping jaune avec le diffus, c'est bien les gars, c'est très très bien. Ok, c'est bon. Allez, porte site mon frérot. Bien, très bien joué. Ouais, la strat avec Mira, elle a été très sympa, c'est bien. Bien joué. Regardez le gros port. Alors notre mission, nous, ça va être de condamner les scableux. Vous mettez un petit barbelé là, vous mettez un petit torn et surtout, vous mettez le premier torn, alors à peu près, là. Il va être très bien ici. En gros, tu vois, il y aura Mira, elle va contrôler le T1 avec son Mira ici. Donc c'est parfait, elle aura également le bleu. Donc notre mission à nous, c'est de bah, les empêcher de passer aux autres endroits stratégiques. Vous avez capté ou pas, les gars? Ça drone. Au niveau du garage inutile. De toute façon, les gars, vous le savez, c'est à eux d'attaquer, c'est pas à nous. Voilà, chéri FM, il est chaud. Bon, j'ai toujours préféré Fun Radio, c'est vrai. Mais chéri FM, c'est plutôt bien. Chéri FM! Me ferme ta gueule. Non, plus jamais. Plus jamais, je chante, pardon. Il y a un mec sur moi. Au niveau du ping. Répulseur déclenché. Donc c'est potentiellement celui du couloir bleu. Voilà, on a tué Nomad, c'est une bonne chose. Excellent les gars, le dernier il est devant le T1. Normalement, on a toutes les infos possibles. Je suis repéré, ouais, par son petit drone là-bas. Et encore repéré, tu vois là, ils mettent des pings rouges, en vrai il devrait pas. Alors le mec il est vraiment super con. Hein. Il devrait juste me mettre des pings jaunes sur ma tête. Dans ça je vais l'enlever, je fais trop de bruit vieux. Hop là. Et on va le mettre là parce que... Elle passe au top. Effectivement, elle est bien passée au top. Elle a pris mon machin là. Mon torn. Elle fera sûrement peut-être le tour. Alors soit là-bas ou soit à l'esca là-bas. Donc les gars, on est très bien. Moi, je pense qu'elle va arriver au ping, mon frère. Regarde, elle casse le barbelé. Normalement, c'est free win. Ouais, c'est bon. Masterclass, mes petits plouks. Là, c'est déjà des défenses qui sont plus cohérentes. La confiance, les gars. Faut qu'on prenne confiance. Les cuisines, ça l'a mangé. Je suis pas sûr d'avoir confiance ici. Après... On n'a pas le choix. Ah, ça, c'est un super rook, il a tout compris. Il pose ses gilets direct quand la game, elle commence. C'est masterclass. Peut-être que c'est un détail pour vous, mais des fois, t'en as qui prennent rook, ils posent leur gilet à la fin de la manche. Réveillez-vous ! Pose-le au début, mec. C'est comme si quand tu vas faire l'amour, alors je sais que je prends beaucoup cet exemple-là, mais genre, tu fais l'amour, et tu mets ta capote après avoir craché. Oh, l'intérêt ! Non, mais c'est bien. Là, ce que font les abonnés, ils ont envie de bien faire. Ils font des petits trucs à Zami, ils font les strats avec Mira. Franchement, c'est bien. Il se dépatouille pas trop mal. Là, j'ai peur de me ramasser un travers. Oh, purée de pommes de terre. Je suis dans la merde. Ils sont au top. Ouais, il y a la rame. Oula, comment ne pas l'entendre? Oh, oh putain. J'ai eu trop peur, les gars, je vous jure. J'ai eu beaucoup trop peur. J'entends piano. Hein. Il jouait du piano. Debout. Oula là, il pêche où, là, les gars? Wesh, on s'est pris de moins 3. What the fuck, elle est où? Faut que je me serve de leur trou. Ah, je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça. Oh, il est là. Allez, masterclass. Non, j'ai chié. Pas deux fois. Boom, tête. On a le diffus, mon frérot. T'as tes cam maestro, on est bien. Masterclass. Le maestro, les gars, il a fait le plus gros taf possible. Il a mis les coups de tasse, il a mis les pings. Là, j'aime cette cohésion. J'ai envie de vous faire des. Oui. Voilà, tonton maestro, franchement. Maestro Kimpembe, on peut l'appeler. Bon, attention. Ne pas s'emballer, on a mis que des défenses, les gars. C'est rien du tout. Bah là, en mode rouleau compresseur, hein. Il y a Gridlock, la grosse vache. On a une bonne compo. On a une très très bonne compo. T'as d'ailleurs, en parlant de grosse vache, vous avez suivi un petit peu ce qui se passe là en France, là, les agriculteurs et tout? Ah, moi je vous jure, ça me fait de la peine. En soi, je suis pas concerné, je suis pas agriculteur. Oh, il a fait la caméra, regarde là. La caméra que j'ai fait sur TikTok. Fumier, copieur, je t'ai vu. Preuve que c'est des abonnés, les gars, je vous jure. Ouais, les agriculteurs, miskin, ça me fait de la peine. Moi, je suis pas concerné. Tu vois, je cultive pas les champs, je fais pas pousser des carottes. Enfin, t'as capté. Est-ce que t'as des crampes? Non. Mais en vrai, ça fait trop de la peine. Ouais, ils sont payés une misère, les gars, c'est une dinguerie. Genre, pour une brique de lait, mettons, je crois, ils sont payés, c'est un exemple, hein. Ils sont payés 10 centimes pour que derrière les grandes surfaces, elles te revendent le truc 1,50€. Alors que ça revient même pas aux paysans. Enfin, aux paysans, à l'agriculteur. C'est une dinguerie, les gars. Je vous jure que c'est une dinguerie. C'est comme si moi, je fais une vidéo, admettons, YouTube. Oh, y'a un gars, ouais. Pour te donner un ordre d'idée, je sais pas, je gagne 100€ sur une vidéo. Et YouTube prenne 99€, et moi, il me laisse 1€. Ça me choque. C'est une dinguerie, c'est pas normal. Bah, pour les agriculteurs, mes skins, c'est exactement ce qui se passe, entre guillemets, pour eux. Donc c'est pour ça que des fois, quand tu vas au boulot, ou alors quand tu vas à l'école, y'a des manifestations, t'as des tracteurs qui bloquent tout, et moi, je les comprends, les gars. Je vous jure que je les comprends de ouf. T'es là, ton métier, c'est de nourrir, entre guillemets, les gens, et toi, on te chie dessus comme ça. Y'a des incohérences dans ce monde. Oh oui, allez on y va. Bien ouais, je 3v1 les gars, c'est une très belle game celle-là. Je sais pas, il est où le las par contre? C'est bon, Ying, elle a ramassé le diffuse. Oh, elle l'a perdu. C'est pas grave, on va essayer de les récupérer, mais les gars, là c'est pas du tout gagné. Hein. Ah. C'est honteux. C'est pas du tout gagné, ah il a un HP. Allez ma petite Yana, je te fais confiance. Elle va le faire easy les gars, easy. Et pas easy cash, attention. Putain, mes jeux de mots ils sont vraiment éclatés au sol. Allez, prends. Et là, faut vite planter, mon gars. Hein. En espérant que Warden ne te rush pas. Ah, j'ai peur. Trash, il va obligatoirement être derrière toi. Tu lui fais un 3-6.
Mais quel homme! Comme ça, ça me fait bander. Quel homme, les gars! Si, c'est lui la bite! Ah, j'étais sûr qu'il allait le faire. Bien joué, gros. Une game intense, nette et sans bavure. On fait du 10 kills. Voilà, on s'est mis en confiance. Mais GG à l'équipe de Petit Plouc en face. Franchement, ils ont géré la fougère aussi, ils ont pas démérité. Mais enfin une victoire dans cette route du champion, ça faisait longtemps. Je ne me rappelais plus ce que ça faisait de faire une victoire. La game d'avant, on a perdu du 17 points, si je vous dis pas de bêtises. Donc si on en gagne plus que ce qu'on en perd, ça va. On a 4 points de bénéf, les gars, vu qu'on a perdu 17 avant. C'est bien. En plus de la défense. Mais là, vous savez pourquoi on a beaucoup de défense? Parce que durant les anciennes games, on s'est fait tellement rouler dessus que Ubi, vraiment, je pense, ont pitié de nous, les gars. Mais quand je vous dis pitié, c'est pitié. Et là, on a un choix de cartes. Villa, j'aime pas. Parc, j'aime pas. Café, j'aime bien. Labo, bof. Repère, j'aime pas. Force Honneur, il faut qu'on joue. Oh, café, bah, il y aura pas de café. Il y aura de la Villa. Objectivement parlant, c'est pas la pire. Et en face, on joue contre Zboubi. C'est encore un abonné. Bissom, il m'a envoyé un message PSN. Oh, vous êtes incroyables, les gars. Oh non, il y en a bonnet qui a bugué. Ah, il y en a aussi un qui a bugué en face. Bon, bah écoutez, ça s'équilibre. C'est super gentil. Ah, faut voter non, les gars. Comme ça, l'abonné peut se reconnecter. Bah écoute, bonne game à toi, Bissom. Je sais pas trop comment on prononce ton petit pseudo, frérot. J'espère que tu ne m'en veux pas trop. En face, il a repris la partie, mais nous, il a pas repris le frérot. Si tu veux venir, mon frérot, c'est le moment. Ou jamais. On va condamner l'accès. Tu vois, la plante, là, il pourra pas planter si jamais il fait pas attention. Là du coup les gars on a une manche en sursis en vrai hein. Enfin on est 4v4 donc ça va c'est équilibré. Oh j'ai failli mettre un de ses one tap. Oh, il aurait été divin les gars. Divin. Ok T1 percé. C'est pas une bonne chose ça. Après un répulseur. Je sais pas trop où. Il est couloir. C'est un Blackbird. Il joue Blackbird. J'en ai vu des choses. Bien joué mon frérot. On va le faire. J'ai plus trop de vie mais t'inquiète pas. Je pense qu'on peut le faire. Il y a une caméra Valkyrie. C'est après un répulseur. Où ça. Ok licite. Ah, je pensais qu'il piquerait à droite, bien joué. Je pensais que là, tu vois, vraiment, il serait allé dans la rota. Et pas qu'il serait venu de ce côté. Il était meilleur. Ah, il a planté le frérot, malheureusement. Bah, c'est pas grave. En vrai, cette manche, on va dire qu'elle est bonus. Voilà. Sauf que maintenant, là, on est 4v5. Ah, ça pue. Ok, il s'est reconnecté, le frérot. Bon, faut absolument mettre celle-là. Hein. Mais pour en revenir aux agriculteurs, miskin, vous trouvez que c'est normal, vous, la France, pays, entre guillemets, tu sais, terre agricole, où t'as des milliers d'agriculteurs et tu trouves quand même le moyen de t'approvisionner dans d'autres pays? C'est pas normal, les gars. Normalement, l'agriculteur, il est là, il nourrit ta population. Pourquoi l'État français, il va acheter des pommes de terre, admettons, au Danemark? Quel est l'intérêt? Alors que t'as tout qui est produit en France. Ça, tu vois, c'est des trucs, je comprends pas, en fait. Entre guillemets, t'as le savoir-faire français. Bah, reste local. Pourquoi l'État va forcément s'approvisionner ailleurs? Ça vous drôle, les gars. Enfin, on fait des débats en même temps que la rancaine. Je vous jure, cette chaîne YouTube, elle est unique. Atroce. Ils vont open. Ouais, malheureusement. Au bac. Ils vont arriver de partout en masse maintenant. Force et honneur, mais plus que sauvage. Oh, bien joué, tu pars à haut. Faut que je me taille. Oh, ouais. Faut vraiment que je me taille et que je fasse un bac de l'extrême. Il y en a deux qui vont être pour moi. J'y vais, les gars. On avance doucement, mais sûrement. Ils vont être SK main. Oula, ouais, il y en a deux SK main. Répulseur déclenché encore. Il m'attend. Quelle vie palpitable tu as. Pourquoi il m'attend? Comment il sait que j'arrive là? Je fais pas de bruit. Aïe aïe aïe. Je vais le faire les gars, je vais le faire. On a nos chances. Non, je vais pas le faire, ils ont réussi à poser. Il est pas à terre? Je vous en supplie. Non. Ah bah lui il est à terre, mais toutes les balles que je mets. Wesh. On s'est pris deux attaques. Pas bien ça. On va peut-être changer de BP hein, les mecs. Si on se fait soulever deux fois, on va pas y aller une troisième fois. On est pas Sadou non plus. Pas déconner là. C'est pour ça les mecs, si vous avez l'occasion entre guillemets. Oh, t'as gâché une percu pour rien, frérot. Si vous avez l'occasion d'acheter, entre guillemets, vous savez, à des maraîchers, des salades, des carottes, des trucs comme ça, allez directement acheter auprès de l'agriculteur. Comme ça, au niveau de la tunasse, il va tout gagner, tu vois, dans sa poche. Si, admettons, le paquet d'un kilo de carottes, je sais pas, tu l'achètes 1,30€. C'est un exemple, hein, les gars. Et bah, les 1,30€ vont dans sa poche. Non, mais c'est vrai, c'est quand même mieux. Plutôt que l'État lui vole du pognon, quoi. Bon, du coup, maintenant, les gars, trêve de blabla, il serait temps qu'on mette. Une défense? Parce que bon, c'est pas pour être méchant, mais là, c'est pas normal de se prendre deux attaques sur Villa. Après, vous me direz, on a été 4, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Wesh! Ils sont pas passés à la porte main, mais ils sont passés là-bas. Oh là, moins 2. Je peux en shooter un, peut-être de là. Tombez pas, les gars, tombez pas, s'il vous plaît. Ah, je suis jacalé, wesh! On va partir en dépression. Il est toujours pour moi, jacale tout le temps. On est 5 dans l'équipe, c'est moi qui me le prends. Je sais qu'il y en a un qui va forcément vouloir se montrer au niveau de l'extérieur. Une question de temps et une question de timing. Comment il plante? Vous êtes 2 sur 6, les frères? Wow! Comment il joue, frère? Ça fait combien de temps qu'il est là, lui? Combien de temps il est? On peut pas tomber contre des Autrichiens, contre des Italiens, j'en sais rien, des mecs random. Au lieu à chaque fois qu'on tombe contre des Français qui pensent que je suis je sais pas qui, je suis pas Michael Jackson, les gars. J'ai juste envie de jouer normalement sans qu'en face leur force soit décuplée. Parce que, oh là là, on joue contre... voilà. C'est chiant. Je vous jure que c'est chiant. Les gars, on a fait 3 games, 3 Français. 3 escouades de Français. Je vais commencer à devenir raciste. Donnez-nous des Polonais, des Russes, des ce que tu veux, c'est bon. Ah, d'ailleurs, en parlant de Russes, bon, au final, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais t'as l'État français qui passe à l'Ukraine des millions d'euros d'armement, pendant que derrière, t'as des Français qui sont en train de crever la dalle.
Bizarre. Je dis simplement, c'est curieux. Ambiance curieuse, les gars, non? Bon, bah 3-0. C'est le moment de remonter tout ça. Est-ce qu'on a la volonté de le faire? Oui. Est-ce qu'on a les capacités de le faire? Je sais pas. Ça va pas, hein. On perd le bricheur. Direct, mais il y a une revenge. Mais on pourra pas open les murs, y'a un mec là, ouais. Il est parti, il va arriver peut-être de l'autre côté. Je pense qu'il a sauté en bas, moi. Ouais, il a bel et bien sauté, mais il est pas revenu. Ok, il y en a deux. Tubarao et la Thorn. Thorn est morte, il y a Tubarao sur la droite. La flash qui va sûrement servir à rien. Enfin bon, on tente. Tu vois, elle sert à rien. Il est pas flashé. Il joue comme des singes, frère. C'est un truc de zinzin. En plus, c'est pas méchant, mais... Les shoots, les gars. Atroce. On perd contre ça, c'est... Waouh. Enfin, on n'a pas perdu, hein, facilement que le frérot va le faire, c'est une possibilité qu'il faut toujours garder en tête. Oh, il l'a vu, c'est bien. Bah, tu lui as mis des balles, il est chaud, la petite Osa plutôt. Enfin, après, tu me diras, c'est un trans. Donc, c'est quoi? Faut dire il, faut dire elle. On sait rien. On va dire que cet être humain est chaud, voilà. Ah ouais, faudra que je vous parle d'ailleurs d'une anecdote par rapport à un trans, les gars. Mais je crois que je vous l'ai déjà raconté, je crois. On n'a pas de drone pour toi. Tu sais qu'il est dans la petite pièce. Tu le sais, mon frérot. Vas-y, on te prend ton drone, on va te le prendre. Je te le garde. Ah, la boulette. Ah! Bien joué! Il nous donne du sourcil, frérot! Mais je me suis fait draguer deux fois par un trans. Encore une! Je veux bien! Deux? Ça commence à faire beaucoup. Encore! Est-ce que c'est les signes du destin qui me lancent des appels de phare? On va prendre H, les gars. Certes, elle a été nerfée, la G36. Mais c'est ma goat. C'est la mienne. Je me suis refait draguer par un trans. Mais le jour où ils vont réussir à patcher leur voix grave, ça va être un cheat code, les mecs, hein. Véridique! Un jour, tu vas penser que tu parles à Elisa, tu vas faire tes bails avec, et quand sa culotte, elle va être descendue, et que tu vas voir le monstre... Je cours, au secours! Mon frérot, tu vas partir en courant! Ok, il y en a un là. C'est la Thorn. Enfin, porn pour les intimes. Rebondis pas le drone. Oui, t'as rebondi du bon côté pour une fois. Ok, y a, on dirait Batman, elle a une cape les gars. Ça c'est bien joué Ibana, ça donne quand même de bonnes infos. Même si ouais, c'est pas pété entièrement, mais c'est pas mal, ça met une bonne pression. Vous en avez un chambre, c'est un recroming. Ok, en vrai ça va le recul, il a pas été atroce là. Alors que j'avais le canon allongé, c'est censé quand même avoir du recul ça. Ok, c'est pas grave gros. Oh, je te vois pas. Putain, mais ils sont tous dans les airbags hein. Bien ça, mon jacal. T'as eu un free kill. Pourquoi j'ai pas de free kill comme ça, moi? C'est bien, mon jacal. T'as une très bonne ligne en vrai. C'est bien. On n'a pas de drone pour vous. Malheureusement, il reste 17 secondes. On n'a pas le diffuseur, les frérots. Ah, malheureusement. Sans le diffuseur, on pourra jamais rien faire, les gars. C'est rapide. Croisons les doigts pour que la prochaine game en soit 5v5 d'entrée de jeu et qu'on perde pas 2-0 bêtement. C'est quoi cette animation de ce geg, là? Elle est éclatée, l'animation, non? Elle est là, elle se tient un crâne de. Oh. De dinosaures, comme ça. C'est quoi le rapport avec R6? Bon bah c'est le yo-yo, hein. On gagne, on perd, on gagne, on perd. Espérons qu'on perde pas beaucoup. Bon, 17. Si t'aimes l'écran bleu, tape dans tes mains. Bah, pourquoi je tape dans les mains alors? C'est pas vrai. 5 minutes plus tard, ça lance. Allez, on va se faire une prédiction de carte, les gars. Villa, s'il vous plaît, c'est la putain à battre. Allez, on va écouter le son. On triche pas, bien évidemment. Ah, parc d'attraction. J'en étais sûr. Et justement, les gars, c'est là maintenant où ça va être important de gagner cette game. Parce qu'on fait le yo-yo, on perd, on gagne, on perd, on gagne, on perd, on gagne. Au final, t'avances pas, quoi, tu vois? Tu régresses. On va se prendre Dokebi. On n'est pas très bon avec, les gars. Mais on va tenter. Depuis que j'ai menacé l'écran, on a réussi à faire des clutches 1v3. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. Ah, ils vont faire des strats chelous. Ah, ouais, il y a une Mira. On aurait dû prendre Twitch. On est bête. Enfin, j'aurais dû prendre Twitch. Elle a fait exprès de poser sa Mira, entre guillemets, à la fin. Vous savez pourquoi? Avec l'attaqueur repique, on n'a pas pu changer du coup d'opérateur. Bon, qu'en soit, ce qu'ils ont fait, c'est très intelligent. Bien joué! Beau kill, ça! C'est bien, les frérots! Un petit open kill, enfin même deux? On demande pas mieux? Ah, derrière le mirage, je présume. Alors, attends, on va essayer de le garder. Non, y'a personne derrière le mirage. Les deux mirages sont safe, vous pouvez rentrer site, les gars. Je sais pas s'ils ont l'info, les frérots. Je vous mets un Dokebi. Go, go, c'est parti! On y va! Regarde, on leur casse ça, carrément. Et le shotgun, l'autre. Il est dans le contact, ici, ouais. Ah, au back! Au back, les gars, au back! Merde! Non! Mais qu'est-ce qu'il fait au back? Pourquoi y'a un doc au back? Oh, pas encore. Pas encore, les gars, on se calme, pas encore. Après, parc d'attraction, c'est la map à défense par excellence, les mecs. Donc si on se prend 3-0, y'a rien d'alarmant. Comment on fait, là? Faites gaffe, ils vont faire un spawn kill de bot, encore une fois. Parce que de toute façon, sur R6, les gens ne savent faire que ça. Casse-toi, rentre chez ta mère, un peu, là. Je sais même pas pourquoi j'ai pris Lyon, les gars. Je le joue jamais, le petit Lyon. Enfin, avant, je le jouais bien quand il avait le gun 6, mais ils lui ont retiré. J'ai pas trop compris pourquoi. Oh, il a pris un C4, miskin. Ah oui, ils l'ont mis par le dessus. Et je m'en reprendrai un, je crois. C'est vraiment des grosses merdes, hein. Franchement, ce qu'ils ont fait, là. Regarde. Bon, 2 C4 en moins, mais franchement, ça va être chaud encore de gagner, là. Ça me saoule, les gars. Ça me terrifie à quel point c'est trop tendu, les ranked. Franchement, j'aimerais bien que ce soit un peu plus facile.
Je vous jure que j'aimerais trop. Tu sais, un peu de simplicité, sans se prendre la tête, sans se ramasser des puants qui se lavent pas, et qui connaissent pas les rayons du soleil, ça serait... Ouais, ça serait plutôt bien. Mais malheureusement, on a perdu Thatcher, on pourra pas open un T1, cette manche, elle est perdue d'avance, les gars, je vous le dis. Il y a du Castle aussi. Oh ouais. Sors. Ah, c'est impossible. Théma, les défenses s'y font, frère. Théma s'y font. Ah, il fallait qu'il se le prenne. À un moment donné, il fallait qu'il se le prenne, son coup. Il le fallait. Ça lui fait du bien. Ça lui fait vraiment du bien. Tel est ton destin. Ah, ce qui devait arriver arrivant, les mecs. Hein. C'était une question de temps. Et croyez-moi, ça m'a fait du bien. Bah, je sais, hein, c'est pas bien de faire ça, mais bon. Allez, vas-y. Vas-y, va drôner avec Yana, frérot. Ils ont pas l'air d'être là. Ah, j'ai essayé, mais j'ai échoué. Encore contact, bien joué, ça. Si on peut mettre cette attaque, là, ça serait incroyable, les mecs. Ça vous pique, encore le Doc Roaming, encore le Doc Roaming. Je te l'ai mis, le ping, frérot. C'est chaud, hein, de le ranimer comme ça, là. Oh. De toute façon, j'ai 16 HP, je sais à rien. Donc, tu sais quoi, autant droner à la mort. Encore, il te pique encore, ce fils de... Faut que j'arrête d'insulter, là. Je suis trop tilté aujourd'hui, je te jure, je suis tilté. Ce Doc, il me casse les couilles. T'en as un au ping, ping rouge, les gars. Vous avez open le T1 ? Bien joué. Voilà. Niquez-lui sa mère ! Vas-y ! Oh, il a pris combien de balles ? C'est une singerie, les mecs. Vous avez vu ou pas ? Putain ! Inutile de résister. J'en peux plus ! Allez, fais-le, s'il te plaît, frérot ! Oui, frérot ! Faut que j'arrête. Vraiment. Oh, j'en ai marre. Je vous jure, j'en ai marre. Je suis pas fier, les gars. Je suis vraiment désolé. J'ai jamais autant enragé, je crois, en bientôt 10 ans de jeu. Je suis navré. Facilement que ça va m'avoir décuplé des forces. Tu sais, le mec qui essaye de se rassurer. Attends, on a perdu l'abonné où, là? Je sais pas où ils sont en train de pusher, les enfoirés. En vrai, je pourrais même pas retourner si t'y a le castle. Oh, mourrais pas. Oh, je suis obligé de l'enlever. Je vais mourir. Je sens que je vais mourir. Je vais arrêter, la route du champion elle est finie les gars. Elle est finie, c'est quoi cette manette ça? Novice. Faut m'expliquer comment il meurt pas le Buck. Faut m'expliquer comment il meurt pas. J'en ai marre. Je coupe la caméra, vous allez voir. Vas-y, on va voir si je suis une pimpe maintenant, venez. Allez, ma moustache, je suis désolé, je fais une game de chiasse, là. Mais je suis tilté, et c'est dans ces moments-là qu'il faut se calmer. T'as, faut se dire que c'est qu'un jeu vidéo, il y a des choses plus graves dans la vie. Il y en a, ils meurent de faim, il y en a, ils... Vas-y, pourquoi je m'excite comme ça? C'est qu'un putain de jeu. Mais au moins, vous avez la preuve que cette route du champion, ça me tient à cœur, cette série, les gars. Vraiment, oh ouais. Bien ça, le castle, en vrai. Là, il peut pas passer. Ah bah, maintenant, si. Ok, la flash. Je suis derrière le mur. Je suis tilté, faut que j'arrête. Bien joué les abonnés, vous faites un excellent travail. Ah, Doc AB. Merci à toi. Elle a fait un TK. Allez, tenez bon mes frérots. Là, c'est clairement vous les MVP de la carte. Moi, à la rigueur, c'est pipi, moi. On a le diffuse au ping. Elle est où, là? Je sais pas, elle est où. Bien joué, je comprends rien à cette game, les gars. Je comprends rien. Je crois que je peux plus revenir site. Ah ouais, Castle, il les a mis un peu de partout, là. Mais pourquoi j'ai ta Shanka, les gars? J'ai même pas fait exprès de prendre Shanka. Que le Seigneur nous porte chance. Seigneur Shanka. Il a les doigts tout noirs, on dirait qu'il s'est mis dans le fion. Un mec au bac, ouais, je l'entends. Allez, c'est parti, on y va. C'est à nous de faire un bon petit roaming. Regarde le Ace. Masterclass. Et là, ça y est. Vu que j'ai montré ma présence, ils vont tous venir me piquer. Oh non. Oh non, les gars. J'avais fait un roaming parfait. Alors, tu mourras. Après, j'ai le diffuse, hein. Ils vont tenter de me flash, c'est sûr et certain. Est-ce qu'ils ont récupéré le diffuse? Non, il est toujours là. Voilà, la flash qui va durer 15 ans. Je peux le faire. Il plante. Putain, je peux pas, je suis trop seul. Allez, recharge. Je l'ai fait. Je vous jure que je l'ai fait, les gars. Dis-moi que t'es de ce côté, diffuse. Non, il est où le diffuse? On va perdre à cause de ça, vraiment, là? Bien sûr que non, on perd pas, les gars. On est là, on est dans la place. C'est impossible. Tachanka, il est là. Ouais. Allez, c'est bien, les gars. On s'offre un peu de sursis. Je pense que c'est vraiment pas le faire, ce clutch. Hein. Je suis pas en confiance, mais on a réussi quand même à le faire grâce à Shanka. J'ai même pas voulu le prendre de base, les mecs. Hein. Vraiment, j'ai pas voulu du tout. Ça me l'a donné au pif, et ben je regrette pas. C'est peut-être un signe, hein. Dans la vie, des fois, il y a des signes qui trompent pas. On a fait un clutch 1v5. Tu te rends compte ou pas? Avec la plante de fête. Ah franchement là c'est une dinguerie ce qu'on a fait. En face le fumier il est en 12 kills, il est chaud. Ah de toute façon les élo champions les gars ça se durcit hein. Tenez bon les petits ploucs, j'arrive. J'arrive avec vous sites. La trappe elle a pas été faite, je comprends pas où il passe en fait. Au bac sûrement. Bien joué mon frère Goyo. Ah, je pense qu'on est assez bien, la défense elle est solide là. Les Azami, les Goyo et tout c'est propre. On va leur boucher un peu l'accès. Tachanka il est très très fort hein. Très très méta les mecs. Attention le T1 les gars. Vas-y on balance tout ce qu'on a, c'est parti. Ah, il est vraiment très très fort le bon vieux Shanka.
Les gars, là-bas, ils sont là-bas, les gars, ils sont là-bas. Go, on a les infos. Mort, encore un dans le contact. L'autre, il push le site, je crois. Dans votre bac. Soyez vigilants, les gars. Site. Bien joué, M. Très belle défense. Allez, là, le plus important, ça va être d'aller faire la trappe parce qu'ils sont remis salle du trône. Et tout à l'heure, on n'a pas réussi à rentrer site parce que c'était tout bandifié. Aïe, on a perdu la Ying et le diffuse aussi. Malheureusement. Là, tu vois, le diffuse, où il est perdu, moi, j'y vais pas, je vais mourir. Je vais faire les trappes et puis après, on verra le diffuse, hein. En vrai, les gars, vous avez juste à vérifier votre spawn et faire attention, en fait. C'est tout. Et en faisant attention, vous mourrez pas. Vous mourrez parce que vous courez tête baissée comme ceci, en fait. Allez, hop, la trappe, elle est faite, c'est une bonne chose. Ah non, il a mis un tube à Rao. Bah, dans tous les cas, ça sera pété la trappe. Voilà, c'est fait. Oh putain! Y'a un mec là? Ah ouais, c'est fuse, putain, il m'a fait peur. Alors attends, là y'a même pas de cassette, donc on pourra mettre un coup de gun 6 et taper un push. Ça, c'est une très très bonne chose. Le bandit, ok. Vas-y, on casse ça. Oh putain, la chatte que j'ai. Je vais essayer d'aller open un mur. Celui-ci. Ah, je peux pas. Aïe aïe, ouais, y'a pas. On peut pas. C'est trop dur d'attaquer ici. Malheureusement, c'est. Ouais. On a la frost au bac. Mange tes morts. Ah, y'a le tube à Rao, on peut pas. Ah, c'est impossible. Ah, malheureusement, c'est impossible, frérot. C'est trop dur d'attaquer ici. On est là comme des cons. Tout à l'heure, c'est là où on a fait notre clutch héroïque. Je le ferai pas deux fois, les gars, je vous le dis. C'est passé par je ne sais pas quel miracle, mais là, impossible. Sauf qu'ils ont déjà open un T1, je crois. Non, les gars, là, moins 2. Bien joué, le frérot, il a ramené tout ça en 3v3. Y'a un nomade à ma porte. Faut que ça passe. Ça aurait pu. Tiens bon. Non, il a pas tenu bon. Allez, mon frérot, on a le diffuseur. Au ping, mon frérot. Et l'autre, je crois qu'il est dans son T1 là-bas, là. Faut pas que je perde mon duel. Faut pas que je perde mon duel, les gars. Non. Il pose, l'enculé. J'en peux plus. Putain, mais j'en peux plus. Mais c'est pas possible. Putain, mais je lui ai mis combien de balles, les gars? Combien? Oh, on va encore faire le yo-yo de merde, là. Encore ça. Ce jeu de merde, je vais l'arrêter, la route du champion. On n'est pas capable de monter champion. Bah, c'est qu'on est des grosses merdes, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis vraiment désolé, les gars. Après, peut-être que vous aimez bien la rage. Mais autant vous dire que moi, j'aime pas rager. Je vous jure que j'aime pas. Ça me pousse dans des retranchements. Mais il s'en est pris des balles, le Ace, quand même. Hein. Il s'en est pris. Il s'est pris des balles. Il s'est pris le feu. Je pensais qu'il était à terre à la fin. Et non, il a réussi à me la mettre. Palabo, Clubhouse. Je sais pas si c'est mieux. Putain, y'a Oujdi. Les gars, il m'a envoyé un message, il m'a dit laisse-nous gagner. Mais frérot, c'est moi qui dois te demander ça, laisse-nous gagner. Attends, mais vous devez trop croire que je suis un mytho à vous dire ouais, il m'envoie tel message. Attends, 2 secondes. Je vous jure, les gars, c'est pas fake. Vous devez trop croire des fois que je suis un mytho. Bah écoutez, je pense qu'on est contre une escouade d'abonnés. Oh, y'a un vilain qui prend Warden. Oh non. Je vais peut-être repasser avec la. Avec le rec, hein, plutôt que vous filmer avec le téléphone. Au pire, je vous filme comme ça la suite de la vidéo, les gars. T'imagines comme c'est pourri. Allez, on va repasser avec la vraie caméra, c'est quand même mieux au niveau du confort visuel. Allez, bien joué le Kali. C'est une bonne chose, on a fait une petite pause les gars d'une demi-heure, histoire de se remettre un petit peu les idées en place. C'est à double tranchant, facilement que ça va nous porter préjudice, je n'espère pas. En tout cas, le T1 est déjà open, vous avez le Warden au ping, mes frères, faites doucement. Oh, c'est pas grave les gars, le T1 était open, on va dire que c'est un moindre mal. Mais par contre, ça va commencer vraiment à picoter si on commence à 3 à perdre d'affilée. Salut Wamai. Salutations. Ah, il me pique, heureusement qu'il m'a pas... Si, et l'autre il est où? Non. Faites-le les gars, je vous fais confiance mes frérots. La Kali c'est bien où t'es, très bien. Faut peut-être te rapprocher un peu du site parce que le frérot il est sur site, lui il va peut-être planter. On a vraiment pas de drone les gars, je peux pas vous aider, je suis navré. Vas-y go, full ping rouge. Aïe, on va se la prendre les gars. Il est repassé site mon vieux. T'as une Kali, ça va être compliqué pour toi je sais. Il a le viseur 1.5. Allez, tu peux le faire. Tous les espoirs sont permis les gars. Allez, tu l'as touché ce gros sac. J'ai jamais vu les gars, une Kali, et à gauche ouais, une Kali mettre pression à un doc comme ça. Vas-y viens planter, c'est très bien gros, oui c'est très bien. Lâche pas, il va te piquer maintenant. Oh non, dommage. Mais c'est ça qui m'emmerde les gars, de faire une moins 3 et de perdre. Comment, je serai jamais champion. Pourtant je la mets la bonne volonté les gars. Je pense que vous le voyez, mais je crois que ça suffit pas la volonté. Vas-y viens faire les trappes mon frérot, y'a rien au top. Là tu es très bien. La rame aussi, ah c'est bien les gars, allez. Faut pas désespérer, tranquille. Entre guillemets c'est que la manche d'attaque. Donc c'est pas grave. Mais je suis pas sûr, j'en avais entendu un là. Ah non mais c'est Doka que j'ai entendu, je suis un trou de balle moi. Bien joué les gars, ça c'est bien, voilà. Faites-moi ces open kills. Wouah, c'est quoi ces trous là? Allez go. Faut juste planter maintenant. Très bien, 4v1 masterclass. Le last il est église, ouais. Bon, on a mis une attaque, c'est déjà ça.
On va dire que c'est mieux que rien, les gars. Non, mais c'est vrai. Mais ça commence vraiment à me faire peine de pas arriver à enchaîner des victoires. Ça me fait vraiment peine. Je me dis que pourtant, c'est pas bien compliqué, en vrai. Bah, si. Je pense qu'il y a un monde, les gars, où je peux ne plus être champion. Non, vraiment, c'est réel, hein, et ça me fait chier. Je vous jure que ça me fait chier. Là, ce qu'on peut se faire, c'est un trou, là. Et comme ça, quand il rentre, je mets la flamme. Voilà, bien, mon pote. Ça, c'est un bel open kill. Ça me fait bander. Partez du principe que les open kills, quand on arrive à en mettre un, on a 90% de chance de gagner. Bien joué. Voilà. On a le diffuse au ping. C'est bien, c'est une bonne chose. Alarme de proximité, il est en bas. En bas de l'escalier, les gars, c'est pour vous. Là, il est rentré au niveau de la chambre, au ping jaune. Voilà, le diffuse, c'est bien, mon gars. On va le garder, enfin, on va tout faire pour le garder. Faut juste que le back, ça tienne bon, et moi, je vais temporiser à mort. Le last, il est sur nous. Il est à la chambre, depuis tout à l'heure. On le sait, on le sait. Regarde, là, tu barricades, et normalement, il n'a pas le temps de venir. Et les flammes restantes, tu les mets là. Il est rentré à la porte. Et c'est un petit one-tap. Ah, je vous jure, les gars, hier 6, c'est beaucoup. Oh, beaucoup trop facile. Quand on met tous les ingrédients pour, bien sûr. C'est l'un des jeux les plus simples du monde. Faut simplement, en fait, s'en donner les moyens. Mais après aussi, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que pour vouloir s'améliorer, ben justement, faut le vouloir. Si t'as pas envie de t'améliorer, tu stagneras toujours sur R6. Moi, je dis pas que je suis le meilleur joueur, loin de là. J'ai bien conscience de mes limites. Mais ce que je vais vous dire, c'est que, prenez l'exemple d'il y a quelques années, j'étais gold, les gars. Peut-être comme certains comme vous. Mais au fur et à mesure du temps, t'évolues. T'apprends des choses qu'avant tu savais pas, et c'est ce qu'on appelle l'évolution. Et si j'ai progressé, avant je faisais un contenu un peu plus troll, c'est vrai. Je vous l'accorde, les gars, vous avez entièrement raison. Mais maintenant, je me suis dit, tu sais quoi, on va essayer de progresser, et c'est ce qu'on a réussi à faire. On arrive à proposer un contenu où on s'amuse toujours quand même bien, c'est vrai, mais on fait aussi du tryhard, et c'est ça qu'on aime. Tachanka, si vous en doutiez encore, c'est un goat, les gars, je vous le dis. Je vous le dis, c'est un putain de goat. Oh là là. Au bac. Ça prend le bac, les gars. Faut que je sorte, pas le choix. Oh, heureusement que la clé mort a tué Mozy, hein. Capi mort. Il va sûrement revenir à la porte... Enfin, la fenêtre site. Ah non, c'est nomade. Elle les a mis au bac là-bas, je crois. Sors, 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 sors des flammes. Sors, sors, sors. Elle va jouer son KD. Ah, je crois, les gars. Ça joue le KD. Oh, la honte. Ils nous font chier. Ah, s'ils font pas attention, ça peut être un free kill ici, les mecs, en vrai. Mais je pense qu'ils vont faire attention. Ils sont pas cons. Bon, laisse tomber. Ils viennent pas. Je pense qu'ils vont venir garage, moi. Voilà, la grenade IEM, what the fuck. C'est un malade mental, lui. Il a mis une grenade IEM, frère. Ok. En vrai, j'ai le viseur x2. C'est impossible qu'il me tue, normalement. Mais qu'est-ce qu'il a que ces grenades IEM, lui? T'es un malade, lui. Ah, mais la trappe, elle est ouverte. Je savais pas, ça. Bien joué, les frérots. L'open kill a été sympa. Tachanka, j'aime trop, hein. T'as pourquoi j'ai pas vu la lumière plus tôt sur cet opérateur, en vrai? C'est quoi, ça, qui tire, là? Ah, mais c'est site, là, non? Ah, ah, il est au fond, le frérot. Ah. Repéré par scanner. Où ça? Ok, ok, on a les infos. Il y en a un bleu et un... Oh, je l'ai tué au feu, les gars, là. Ouais, dinguerie. Il est là, au ping. Au ping, frérot. Oh, bien joué, il l'a tué au torn. Là, on a fait une belle game, en vrai, assez maîtrisée. Bien joué à Chéri FM, les gars. 9 kills. C'est propre, mon frérot. J'ai pas d'animation, je suis dégoûté avec Tachanka. Mais assez bien maîtrisé dans l'ensemble. Bah, désolé, les abonnés qui étaient en face. On devait prendre des points. On n'a pas le choix. 21 toujours, mais on fait que stagner, en fait. Depuis tout à l'heure, on fait que ça. Vraiment que ça. En plus, on a de la défense. C'est là, maintenant, les gars, où faut briser la malédiction. Dans la logique des choses, on fait que perdre. Oh, vous avez vu, j'ai 1.7 de victoire-défaite. Je suis pas content. Avant, j'avais 2.3. Ça baisse, hein. Villa, les gars, je vous en conjure. Villa, 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 s'il vous plaît. Pas Villa, elle est trop nulle. Je préfère même Club A parce que Villa. Oh non, oh là là. Oh. Ah oui, bah forcément. Nul à chier. Bah force à vous, j'espère que vous allez carry. Moi je vous le dis, hein, n'espérez pas grand chose de moi. C'est tout à l'heure, on s'est fait défoncer sur Villa et on sait pas la jouer. Alors qu'on a entre guillemets la même squad que tout à l'heure, donc je présume qu'on va se faire encore une fois déglinguer le trou du cul. Là, celle-là, elle est trop forte, la caméra. La caméra, l'alarme. À chaque fois, je me trompe en disant la caméra. Alors que bien évidemment, je veux parler des alarmes. Mais Tachanka, viseur x2, en fait, l'agent, je sais pas pourquoi, je le trouve hyper fluide. Des fois, t'as des opérateurs, t'as l'impression que t'as une latence avec, alors que Tachanka, bah non. Et ça me fait trop plaisir. Ça a cassé la cam là-haut. Oula, oui. Ça pêche, ouais. Buck mort. C'est ce qu'il faut, les gars. La revenge. Toujours la revenge. Et en vrai, tu sais quoi, moi, je peux rester là, et je peux contrôler le long couloir, enfin, les longs couloirs. Et je suis super bien. Il y a un ram là. J'entends plus rien, ça va pêcher de l'autre côté, sûrement, pour me faire un brain. Salut. C'est bien ça, la moindre, les gars. Les gars, pardon. Ah, ce qui m'a mis. Depuis combien de temps il est comme ça? Oh, mais casse-toi! On va mettre une petite une alarme ici. En vrai, c'est trop bien ces trucs. Quand ils font pas attention, regarde là. S'ils avancent comme ça, ils la voient pas. Et ça donne une super info et ils sont coincés après dans le couloir. Wesh, je l'avais entendu push là-bas, les gars. Oh, y'a un doc! Oui! Oh non, Castle, je peux pas revenir site. Bah, désolé. Ah, bah si, je peux. Eh! Viens, mon frérot, je t'aime. T'es un crack sauvage. Voilà.
crois qu'on a tué le plus fort. En plus, par contre, on est tous sites. Oh, misère, les gars, ça va être un bain de sang. Non, 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 surtout pas. Oh, non, 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 bah non, bah non, faut pas. Moi, j'aimerais bien être cover pour mettre mes petits lance-grenades, là. De toute façon, ils peuvent venir que de là, ou alors que de là. Moi, je suis trop bien. Alarme de proximité. Couloir, derrière le castle. Juste ici. Par contre, c'est un Maverick, donc faut faire un peu gaffe. Il y a la petite rame au top. C'est rame et Maverick. Je pense qu'on est assez bien. Ouais, il est là. Bien joué, gros. Il est trop fort, Tachanka. Bien, mes frérots. Allez, après, le plus dur, c'est attaquer, les gars. En fait, cette carte, elle pourrait être bien. Je vais être objectif. Mais le truc, le souci, le notable, on va dire, c'est qu'il y a trop de bugs de son. C'est infâme. C'est vraiment infâme. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il mette sa tête et qu'il passe, là, son gros corps. Ah, mais il était là, en plus. Je pensais que je me serais fait déglinguer, mais non, c'est bon. On a perdu le diffus, je sais pas trop où. Ok. Là, casse ça, là. Vas-y, bien, bien joué, gros. Au bac. Ah, le bouclier. Il nous reste 40 secondes, on est pas trop mal, en vrai. Juste prendre un peu d'infos. Il y a un doc sur site. Je crois qu'il y en a un derrière le bar, donc ça en fait deux. On peut rentrer assez safe, là. Double cap quand on casse les. Je vais planter, ok. Wesh. Quoi? Mais quoi? Wesh. Ils sont incassables. Allez, je plante derrière le truc. Ah, couvre-moi, Doka. Pas de C4, pas de C4, pas de C4, pas de C4. Allez, allez, oui. Viens, mon frérot. Oh. Non, frérot, bah je suis trop loin maintenant. Ah, vas-y, je suis bloqué dans sa rota de merde. Allez, vas-y, c'est perdu. Allez, c'est bon. Casse les couilles, putain. Et encore la moins 3, hein. Oh, les gars, sans déconner. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dureté de R6 à travers vous, cette vidéo, mais les gars, moins 3, plus une plante, on perd la manche. Sans déconner. C'est pour ça que je rage. Je vous jure que c'est pour ça. Parce que c'est rageant. Une moins 3 avec une plante, normalement, jamais tu perds ça. Jamais. Et je sors où, lui? Il est sorti à la zup dehors, le fumier de doc, hein. De toute façon, ils font que ça. Est-il à terre? Je ne pense pas. C'est quand même ouf, hein, le nombre de balles. Aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe avec les balles. J'ai l'impression qu'il faut vraiment mettre beaucoup trop de balles. Ouais, je peux pas rentrer. Les gars, la tête de ma mère, je ne peux pas rentrer à la fenêtre. Ah, là, je peux maintenant. Quand je voulais plus. Ah, mais ce jeu, il est en train de me rendre fou. Ce jeu, il rend trop ouf. Et là, je suis passé sur le diffuseur, je marche dessus, ça le ramasse pas. Je vais péter un câble, je vais casser notre télé. Allez, mange tes morts sur le vieux port. Jackal, attention, tes pieds, Jackal. Ça te pique. Astro. Il y a Jaeger Astro avec... Ouais, ok, les 3 sont là. Et comme par hasard, j'ai pas l'info... Regarde ce qu'il fait. Regarde ce que ce bot humain fait. Il est allongé par terre. C'est un truc de ouf, ce qu'ils font. Ils jouent comme des bots. La prophétie va vouloir qu'on perde encore cette game, les gars. Allez, c'est bon. Je peux plus. J'en ai marre. On est impuissants. Ils sont trop nuls, les gars. Je vous jure qu'ils sont trop nuls. Après, moi, je vous fais des cuts dans la vidéo, donc peut-être que tu te rends pas compte de certains trucs. Mais ils font des moves. C'est des bots. Ils sont nuls. Alors, ok, qu'est-ce qu'on va avoir? Je ne sais pas trop. Sûrement des mecs qui font la serpillière. On a le... Ouais. Mute pompe. Regarde le bot. J'ai éteint C4. Random, comme ça. Non, mais quand je vous dis que c'est des bots, premier degré, c'est vrai. C'est vraiment des bots de la chasse au terreau. Ok. Donc là, il y a le castle. Il y a un mec juste derrière le castle. Bien, moi, je les gars. Oh, 5v2, propre. Allez, les mecs. Ça l'a touché à la greu. Allez, normalement, c'est pour nous. Je vous le drone, le las. Même pas besoin. Très bien, belle attaque. Quand vous avez envie de bien jouer, les gars, vous le faites bien. Avec des petites touches 1.5 silencieux. Putain, la maîtrise du recul, bien. Moi, je suis incapable de faire ça. Allez, il y a 4-3, les gars. Faut qu'on mette cette défense. Et après, on aura une attaque. Ça va être très dur. Franchement, les games. Il n'y en a aucune de simple. C'est tellement compliqué. Celle qu'on a perdue tout à l'heure sur parc d'attraction, je l'ai encore en travers de la gorge, les gars. J'en ai tué un. Oh putain, j'ai loupé celui-là. Merci, mon doc. T'as été réactif. Là, tu sais quoi, on va faire ça. Et on mettra des grenades de feu par le trou, quoi. Exactement comme ceci, les gars. Masterclass pour empêcher un push. Alarme de proxy, contact à moi. Tenez bon, les frérots. Je retarde l'échéance, il est juste contact. Ouais, au niveau de la caméra Valkyrie. Attends, je vais essayer de vous mettre un ping. Effectivement, il est là. Faut retarder l'échéance un maximum, les gars. Bien, 5v2, belle défense. Tachanka, il est trop fort, je vous le dis. Tombez pas, les gars, doucement. Et d'élimination, je sais pas c'était qui. Oh, je l'ai tué. J'ai pas vu, je l'ai tué avec la flamme, il est site. Bien joué, voilà, on a empêché la plante, les gars. Extraordinaire. Et voilà, encore une fois, les gars. La manche décisive en prolongation. Je préfère être tout à fait franc avec vous. C'est pas que je suis défaitiste, mais j'ai peur. On a mis 0 attaque, je crois, depuis tout à l'heure sur Villa, mis à part une cuisine, je crois. Mais ils sont pas cuisine, donc on est dans la sauce. Et on a perdu le diffuse. Je suis désolé, j'aurais aimé te sauver, mais ça n'a pas été possible. C'est quoi ça qu'ils ont fait, là? C'est quoi cette défense encore, là? Ok, je t'ai vengé. La revenge. Allez, 3v3, on peut le faire, on peut. J'en entends un là-dedans, les gars. Au bac, le ping jaune, t'es sûr? Faut le travers, lui, hein. On peut? Comment il meurt pas, là? Le frérot, il se prend une grenade, des balles, il meurt pas. C'est un truc de ouf.
Aujourd'hui, les balles qu'il faut mettre, non, en vrai. Attends, j'arrive top-un, frérot. Là, là, là. Tu me regardes? Non, tu veux pas? Bon, bah, j'ouvre tout seul. Je suis le destructeur de Kessel. Allez, sors, Grolard. On prend le temps, on drone doucement. T'es un jacal, prends les infos, les pas. Astro, je crois qu'il y a personne, Astro. Mais gros, elle est devant toi! Frérot, il est devant toi! Putain! Il vient de se mettre un doc, il arrive Astro. Ping rouge, pingez-le, pingez-le, pingez-le! Je préfère pas voir ça, les gars, je vous jure, je préfère rester sur le drone et. J'ai pas envie de voir le massacre. Je vous jure que je veux pas voir, je ne veux pas voir. Je sens qu'on va perdre. Putain, j'étais défaitiste, bien joué, jacal! Oh, purée! La prophétie! On l'a fait! J'en peux plus, hein! Je vous jure, je crois les routes du champion, je vais devoir les stopper un peu. Ou alors arrêter de chercher le champion parce que je me donne trop de mal. Et vraiment, pour la santé mentale, ça fait vriller le cerveau, les gars. Véridique. Oh, je suis en train de droner tranquille, c'était devant jacal, les gars. Oh, j'étais. Si on perdait ça, j'étais fou. Allez, putain, 21 points, hein, dédicace à la trisomie 21. On n'a pas de villa, c'est une bonne chose. Clubhouse, ça va dégager. On peut avoir frontière, gratte-ciel ou Oregon. Faut juste espérer pas repère. Avec la chance qu'on a, les gars, on va se taper repère. Ok, c'est bien d'être défaitiste un petit peu des fois. Justement, maintenant, c'est là où faut enchaîner. Et c'est vrai que Sledge, j'aime beaucoup, les gars. C'est important de pas se prendre le spawn kill. Pas direct. Vas-y, je vous prends le diffuse, les gars, si vous voulez, y a pas de souci. Je l'ai vu. Je l'ai tué. Bravo, petit. Information, réaction. Fontaine, les gars, je vous drone vite fait. Ils ont l'air de jouer d'une façon bizarre en face. Ok, donc je crois qu'il y en a un casier, si je vous dis pas de conneries. Ouais, y a Smoke. C'est 4. Vas-y. Oh, il a cassé tous ses barbelés, ce con. On n'a pris aucun opérateur pour casser le T1, les gars. On se met des balles dans le pied encore. Comment tu veux gagner sans prendre de T1? Bien joué. Lui, il est derrière sa bombe, là. Ah, il va peut-être mourir, en vrai. Oh, je l'ai pas vu monter. Bah, il a été meilleur. Il a bien joué. Faut reconnaître quand quelqu'un fait un bon move, les gars. Après, je te mens pas que là, on enchaîne les rangs 4. Ça fait depuis je sais pas quelle heure, mon vieux. On commence plus à être. On est plus très frais, quoi. Quoi, couper. Il y a personne douane, en vrai. On peut rentrer, les gars. Hein. On va laisser un drone là. Bon, nous, on a la douane. C'est une bonne chose. Il y a un mec. CCTV, heureusement qu'il a tiré. Merci monsieur Orex. La question est-ce qu'il y en a un deuxième? J'en sais rien. Bien joué, 5v3. Je vous drone les gars doucement, on se prend pas les capquins. Il y en a peut-être un au top, ouais, effectivement. C'est une possibilité, il y a Echo. Site, bah vous avez fait le taf, bien wesh. Ok, l'autre il va encore spawn kill le doc les gars. Doucement, surtout au mur de la douane ici. Des fois t'as toujours un mec là, mais apparemment c'est pas le cas. J'adore Sledge. J'ai vu la lumière sur cet opérateur. En fait, il est trop polyvalent. Ouais, douane, effectivement. Attends, je vais le redrôner vite fait. Est-ce qu'il a bougé son cul? Ouais, il bouge pas. Hein. Voilà. Oula, c'est quoi ces trous, là? C'est quoi ces trous de cons qu'ils m'ont fait, eux? Une casse sur kill, frérot. Doc mort. Doc roaming. Lésion, mort. Allez, maintenant, doucement. Laissez-moi vous droner. Tonton est là. Regarde. Tu vois, c'est ça que je vous reproche. Heureusement qu'il le tue. Hein. Mais au top, on prend un vieux capcan dégueulasse avec le diffuse caché. Et ça, je vous jure, ça peut trop faire perdre une manche. Là, les capcans à cette porte. Ils font beaucoup trop mal, les mecs, si vous saviez. T'imagines Capcan avec le viseur x2 de Tachanka? La boucherie que ce serait. J'espère une chose en face, c'est qu'ils font pas le pushing. S'ils font ça, on est dans la merde. Attention, les amis, à l'escamène derrière toi. Je sais pas, je le sens pas. Je pense que ça peut passer en sneaky. Là, techniquement, on a les défenses. Il y a le Warden Seat, le bandit qui fait le bandit trick. On est bien. Ils ont pas l'air de faire le pushing, en tout cas. C'est plutôt bien. Ouais, CCTV. Bien joué, le C4, mon frérot. Et là, ils push bien CCTV. Ouais. Ils ont même fait un joli trou, si vous voulez mon avis. Aussi joli que celui de mon ex. Ok, doucement. Bandit, c'est super ce que t'es en train de faire, mon frère. Ça open le back, les gars. Ok, le back. On fait doucement. Je pourrais essayer d'empêcher le C4, moi. Ça a pris un capcan. Je crois qu'ils sont rentrés. Ouais, oui. Le bon vieux back, il est mort. C'est bien, ça. Ils sont rentrés. Dis-moi que ça marche. Oui. L'autre, il est en train de poser, je crois. Masterclass qu'on a fait, là. Allez, 3-1, les mecs, s'il vous plaît. Juste une petite défense, il va être pour abattre ce capcan. J'arrive pas à parler, gros. On dirait un Mexicain, j'ai fait capcan. Je crois que premier degré, ça doit faire 6 heures qu'on joue. C'est beaucoup, 6 heures, quand même. Je crois qu'ils sont à la fenêtre. Ah, ils sont là. Je vais me faire un peu oublier, les gars. Ah ouais, au capcan, il avait l'1.5 avant. On se rend même pas compte de la singerie que c'était, hein. Putain, je vois rien avec l'icône de la bombe B. Sur mon viseur, ça me gêne. Oh, la moins 2, les frères. Tenez bon, je vous en conjure. Il va falloir que je gère B et le long couloir. Chaud. Ah, cette défense, elle est perdue, je pense, malheureusement. Ouais, trop compliqué, là. Salaud. Allez, mes frérots, faut juste mettre cette défense une seule, après c'est gagné. Et on sera sûrement, je crois, à une game du Diamant 1. C'est rien du tout, les gars. Rien. Oh, bien joué, il a tué le drone de Brava.
Là, il y a les Fenrir, il y a le Doc. Franchement, les gars, moi, je vous mets le feu ici quand ça passe. Le top, si ça casse la trappe, je suis là. Avec Tachanka, je vais essayer de vous faire un bien fou. Ah, on a perdu le Vigile au top. Là, le roaming, il va être compliqué. Enfin, vu qu'il n'y a plus de roomer. Oh, wesh. Non, mais... Oh, putain. Mais il est venu d'où? Mais il a fait une rota. Là, lui, ce malade mental. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais comment il est passé? Oh, la flash, je suis mort. Faut que le Fenrir tienne bon, les gars. Oh. Normalement, il peut pas me tuer là-dedans, dans ce trou là. Impossible. Impossible, je vous ai dit. Masterclass, allez gros. Mais qu'est-ce qu'il fait dedans? Allez, fais de rire. Ça pose, frérot. Push, 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 frérot. Bien joué, mon frérot. Au ping, mettez-lui des ping. Ping rouge, allez-y, vous pouvez y aller, il est dans le fait de rire, go. Push-le. Pré-fire. Pré-fire, gros. Là, tu lui cours dessus sans pré-fire, rien du tout. Normal qu'il va te tuer. Oh, vous comprenez jamais ça. Il est dans le Fenrir, il y a juste à avancer comme ça. Au lieu Putain, mais faut que vraiment que je vous apprenne ça. Là, admettons, derrière la voiture rouge, il y a un mec. Vous faites ça, ou alors vous avancez comme ça. Enfin, je sais pas, les gars. On perd ça encore. Je sais pas en combien je suis de kills. Si on perd, vraiment, ça va sonner, je pense, la fin de la route du champion. Vraiment. Ouais, vas-y, prenne des clashs maintenant. Putain. Wesh, il meurt pas. Ah, vas-y. On va perdre, les gars. L'autre, il a mis des Fenrir. Attends. Les Fenrir, on va les casser. Normalement, c'est bon. Plus 30, effectivement, on est bien. Il va être au fond du casier, je présume. Ça me paraîtrait pas impossible. Oh, il est à terre, Fenrir. Ouais, gratuit. Non, j'ai loupé ça. Là, c'est ma faute. Il faut tuer la clash, les frères, ok? La clash, elle va être trop chiante. Bien, ouais, je sais pas si vous l'avez eu, cette clash. Non. Oh, toujours au fond. Plante, frérot. Il fait quoi? Pourquoi il plante pas, là? Va planter dans le coin, j'ai ta cover. Va dans le coin. Mais pourquoi il plante pas? On va se la prendre, les gars. Pourquoi il plante pas? Tu fais des conneries pareil. Ah non, les gars, là je vois des choses que faut pas que je vois. On aurait tellement pu perdre. Admettons, imagine, là il perd le diffuseur encore à Bubblewed. L'autre il a juste à le garder, les gars. Là je vous muto pas, je crois que je suis pas. Enfin, je suis plus en capacité de carry, je suis fatigué. Je suis en 13 kills, les gars, sans déconner. Oh oui, il y a un TK en face, let's go. Il faut qu'on garde cette supériorité, ok? Oh putain, les mecs. Là ça va être Tandax. Je crois qu'ils sont site, les gars. Ouais, mais effectivement. Moi j'ai pas l'info qu'il est dans le site. Il a pris un capcan, je l'ai tué au capcan, gros. Dommage, mon gars. Vas-y, encore une gamme en 4-4, les gars. C'est un truc de ouf aujourd'hui. Vous avez vu les parties, comment elles sont bah compliquées et intenses. On a aucune game de facile. C'est un truc de ouf. Et pourtant, j'aimerais bien en avoir des games faciles. Mais aujourd'hui, on n'est pas bien gâtés, en vrai. Mais le pire, c'est mon nombre de kills, là, qui est en train de me terroriser. Je fais trop de kills. Généralement, quand je fais trop de kills, les gars, c'est là où on perd. Je crois qu'il y en a un dans l'espèce de petit bureau. C'est pour ça que j'ai fait un trou comme ça. Ouais, effectivement, c'est le Fenrir. Vas-y, viens, faut en rire, s'il te plaît, gros. Oh là là, si on le tue, c'est free will, hein. Oh, bien joué, ils l'ont eu. Bien joué, gros. Ah non, c'est Doc. Ouais, c'est pas Fenrir. Où est-ce qu'il est, ce troubadour de faut en rire? Là, les mecs, on a fait une moins 2. C'est très bien, la moins 2. Mais généralement, votre problème après, la moins 3, bien. Votre problème, c'est que, bah, on se laisse aller et on rush de partout comme des trous de balles. Tu vois, regarde. Un abonné qui est mort bêtement. Là, je vous le drone, les mecs. Je vous le drone. On a le temps. J'ai déjà assez de kills pour cette game. J'en veux pas plus, en vrai. Je crois que je l'ai vu, non? Au ping, plante. Oh, il plante, c'est bon, c'est gagné. Masterclass, les gars. Oh, il a réussi à planter. Vous avez vu? Quand vous jouez safe et simple, comme ça, R6, y a rien de plus simple. Je l'ai vu, c'est bon, on a gagné. Normalement, bien évidemment, on a gagné. Ouais. Voilà, bien joué, mon Buck. Bah, franchement, la victoire, je sais pas comment on fait pour gagner, c'est un miracle, les gars. On fait combien? On fait du 14-4, vous imaginez? Mais c'est la dernière game de la vidéo. Je sais que normalement, j'ai dit que j'arrête quand on perd. Mais là, je peux plus. J'ai trop donné, j'ai tout donné ce que je pouvais. Allez mes plouks, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Et on va voir combien on gagne de petits points. Je pense qu'on prendra pas le diamant 1, on va juste s'arrêter avant. Il nous manquera une game en vrai. Une seule game, on sera diamant 1, mais là je peux plus. Bref, les plouks, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En espérant que celle-ci vous ait plu. Ciao.